Alors, précision concernant les pneus. Il y a un maximum de 18 tours par train de pneus, c'est-à-dire que si les pneus ne sont pas neufs, il faudra en tenir compte des tours déjà effectués dessus. Il y aura donc 3 arrêts par pilote minimum. Donc admettons le pilote commence avec 3 tours dans les pneus, eh bien il faudra qu'il fasse pas plus de 15 tours dans son premier relais, quoi. Voire 14 pour être sûr. Ça va être un casse-tête stratégique, ça va être n'importe quoi, franchement. Sachant qu'en plus il y a des safety cars, ça va foutre le bordel. Là il va falloir être vraiment vif hein, les stratèges. Hein. Et Dupin qui ajoute que certaines équipes ont peut-être bien fait de sacrifier le sprint avec des pneus tendres hier pour garder plus de médium. Ouais, mais alors bon après c'est vrai que c'est un gros coup de chat si ça les arrange pour le coup. Mais oh, ce genre de règle quand même c'est stupide, franchement. Ça va foutre un bordel, je sens qu'il y a des pilotes qui vont se faire des culs. Parce que certains vont oublier d'avoir compté les pneus, enfin les tours qu'ils ont déjà fait les pneus quoi. Je la sens comme ça là, ça va être n'importe quoi cette course. On risque bien d'avoir des drapeaux noirs, peut-être même parmi le top 10. Hein. Bon, je vous laisse commenter.